Salut à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. On continue de parler donc de la 4e division en accueillant chaque semaine des acteurs de la future saison qui démarrera le 20 août prochain. On a accueilli récemment Fabien Valéry, le coach de l'UFC Chambly. Et puis la semaine dernière, on avait Pascal Bovis, le président du UFC Fleury 91. Et bien aujourd'hui, on accueille un promu, en tout cas le coach d'un promu, celui de l'AS Furiani Agliani, le club corse dirigé donc par Patrick Videra. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, je ne vous dérange pas en plein entraînement ou il est terminé? Non, on a fini, ouais. Ce matin, ça s'est bien passé malgré la chaleur, mais on a fini. Ouais. Bon, avant de se projeter sur la future saison donc de National 2, on va revenir sur la précédente, celle en National 3 pour vous, dans le groupe Corse Méditerranée, que vous avez remporté donc devant notamment l'AS Cannes. Alors justement, pour revenir sur cette saison, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu, nous raconter comment cette saison s'est déroulée pour l'AS Furiani Agliani, avec donc à la clé cette montée en National 2? Mais c'est construit l'année précédente avec ce championnat où il a été arrêté par rapport au Covid, où on était déjà premier au bout de 6 journées. Donc, on a continué à travailler avec les garçons, voilà, sur du travail individuel. Il n'a pas été évident. Ils se sont accrochés, voilà, ça a été avec l'objectif de pouvoir atteindre la montée l'année suivante, chose qui a été faite donc l'année dernière. Voilà, on a eu un très beau dauphin qui a été l'AS Cannes. Voilà, on savait que ça allait être très dur. On finit avec 2,40 points par match. Donc, ça a été logiquement une montée. Elle se fait entre 2 et 2,12. Donc, l'AS Cannes était dans les clous. Ça a été une année exceptionnelle. Voilà, nous, on peut dire que ça a été une très belle réussite avec ce groupe fantastique, quoi. Alors, quelles sont un petit peu les forces, les caractéristiques de cette équipe, de cet effectif de l'AS Furiani Agliani, Patrick? De bons joueurs, de réelles valeurs, avec beaucoup d'entraide des uns des autres, une vraie famille, je dirais surtout. Voilà, c'est un groupe qui est soudé, c'est un groupe qui lâche rien. On a marqué l'année dernière 25 buts lors du dernier quart d'heure. Mais voilà, c'est pas de la chance, mais ça démontre aussi un état d'esprit où c'est des garçons qui lâchent rien du début à la fin. Allez, on revient au présent avant de se projeter dans le futur. En parlant de cette saison 2022-2023, déjà, où en est donc la préparation estivale de l'AS Furiani, Patrick? Elle est très bonne pour l'instant, voilà, elle est très dure. Après, les victoires sont anecdotiques aujourd'hui par rapport aux matchs amicaux. Alors, bien sûr qu'on est compétiteur et on veut gagner tous les matchs, mais ce n'est pas le principal. Voilà, on sait que les organismes ils sont atteints aujourd'hui. On leur demande de pouvoir jouer des matchs de préparation avec une énorme fatigue. Mais voilà, quand les jambes elles suivent pas, il faut que le cerveau suive. Donc c'est ce que je leur demande. Mais pour l'instant, voilà, ça se passe très très bien. Même question, Patrick, mais cette fois-ci pour le mercato. Où en est donc le mercato du club corse? Et est-ce qu'il y a encore be des besoins à combler donc dans cet effectif? Oui, on recherche. Bon, j'ai gardé une stature par rapport aux garçons de l'année dernière. Voilà, j'ai gardé une stature de 18 joueurs. Voilà, la base elle y est. Maintenant, on a voulu renforcer ce groupe avec des garçons, voilà, qui puissent nous apporter un plus. Chose que l'on a fait, voilà, avec 5-6 arrivées. Et on est toujours à la recherche, voilà, de un voire deux joueurs au milieu de terrain, voire un attaquant axial, voilà, des joueurs au milieu de terrain qui puissent nous ramener qualité technique, des joueurs qui puissent pouvoir jouer sous pression. Voilà, mais on est dans l'attente encore de deux voire trois joueurs. Alors d'ici la reprise du 20 août prochain, quels sont véritablement donc les axes de travail de Patrick Videra avec l'AS Furiani? Toujours aujourd'hui, on est sur un axe de travail énormément sur un travail foncier de préparation, voilà, de pouvoir avoir certains automatismes, de retrouver le goût aussi de la victoire, haïr la défaite. C'est un peu tout ça. On sait qu'on arrive en tant que promu dans ce championnat de N2.
on se veut et on se doit d'être ambitieux. Voilà, on respecte tous les adversaires, mais voilà, on va pas jouer petit bras aujourd'hui et pouvoir faire bonne figure dans ce championnat de N2. Après, je dirais, c'est simplement une continuité de ce qu'on a pu faire aujourd'hui 3 ans. Vous parlez de la future saison, Patrick. Quelles sont véritablement les attentes autour de ce championnat? Dans le groupe B, on rappelle que l'AS Furiani Agliani évoluera dans la poule B donc de National 2 la saison prochaine. C'est de gagner la première journée et ensuite de pouvoir gagner la deuxième et prendre, alors c'est une phrase bateau, mais c'est prendre les matchs les uns après les autres. Après, voilà, comme je le dis souvent aux garçons, si l'adversaire est meilleur, ben on leur serra la main et on leur dira bravo. Mais on jouera tous les matchs avec l'envie de pouvoir les gagner. Voilà. Alors, il y aura de gros déplacements à faire pour l'AS Furiani cette saison. Il y aura des déplacements à faire en région parisienne, dans le Grand Est ou encore dans le Nord. Alors, comment, du côté de Furiani, on appréhende un petit peu tous ces grands déplacements à faire? On nous a mis un peu dans ce groupe-là. C'est vrai que c'était pas notre groupe favori. Voilà. Maintenant, on a été dans ce groupe. Et bien, il va falloir de longs déplacements. Mais voilà, on les prépare déjà. Il y a des personnes qui sont là pour les préparer. On sait qu'on va avoir un temps de récup qui va être de toute façon, que l'on soit dans le sud ou dans le nord, nord-ouest, ou peu importe. Voilà, il fallait faire avec. C'est le côté aussi des longs déplacements par rapport à l'île de Beauté. Ça commencera fort hein, pour l'AS Furiani avec deux déplacements en région parisienne pour commencer dès la première journée du côté de Sainte-Geneviève, puis du côté de Fleury pour la deuxième journée. Il faudra attendre la troisième journée donc pour que Furiani évolue à domicile, ce sera face à Épinal. En attendant donc, est-ce que l'AS Furiani peut également un petit peu tabler cette saison sur un effet de surprise avec ses équipes qui ne vous connaissent pas forcément et puis également avec ce statut de promu, Patrick? Oui, après, vous savez, aujourd'hui, avec la vidéo, il n'y a plus énormément d'effets de surprise. Tous les prépares, tous les clubs adversaires. Donc voilà. Après, on sait qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus réputées que nous. On sait qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus armées que nous, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau financier. Mais voilà, on va démarrer les matchs à 11 contre 11. Bon, dernière question, Patrick. Est-ce qu'il y a encore une séance prévue aujourd'hui? Oui, il y a une séance qui est prévue aujourd'hui à 7 h, avec encore de fortes chaleurs, surtout ici en Corse. Mais voilà, on fait le nécessaire, voilà, pour qu'il s'hydrate bien, on fait le nécessaire pour que le synthétique soit arrosé, et puis on fait avec. Bon, on sait que ça va charbonner fort ces prochains jours sur l'île de Beauté. En tout cas, merci Patrick. On suivra bien évidemment les aventures de l'AS Furiani, promu en National 2 cette saison. Et vous êtes le bienvenu, bien évidemment, ces prochaines semaines, ces prochains mois dans Replay N2 que vous intégrez donc officiellement cette saison. Merci à vous et puis avec plaisir de pouvoir être une nouvelle fois dans votre émission. Eh bien, merci beaucoup, Patrick, et à très vite. Nous, on se quitte donc sur ces derniers mots. On vous le rappelle encore une fois que la reprise du championnat de N2, c'est pour le 20 août prochain. On retrouvera le rythme de deux émissions par semaine avec Replay N2, donc chaque mardi à 18 h. Et puis à partir de 18 h, toujours tous les vendredis avec le grand Denis Balbière que vous retrouverez donc très bientôt. En attendant, donc, on garde le rythme d'une émission par semaine d'ici la date du 20 août. Donc, on se retrouve très vite pour accueillir un autre acteur de la prochaine saison de National 2. À très vite. Yeah.